Les frigos ne sont pas encore complètement vides, mais ils font peine à voir pour Stéphane Lecomte. En 20 ans de carrière chez Riem Becker, il n'a jamais connu période plus creuse. Aujourd'hui, dans les chambres froides, il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est depuis 10 jours. C'est vraiment le minimum. Et ça, c'est pour assurer toute la partie plateau repas, parce que sur la commande, toute la partie événementielle, on n'a quasiment pas de commande. Depuis que les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits dans les lieux confinés en France, le traiteur de la région parisienne dit avoir perdu 900 000 euros de chiffre d'affaires en quelques jours. On a peur. On ne va pas aller plus loin. Clairement, on a peur. On a peur pour nos emplois, on a peur... Voilà. On sent vraiment qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. On avait un menu pour de la sous-traitance de 240 entremets individuels. Je suis arrivé le lendemain et ils étaient annulés. Donc je sais que c'est compliqué. Que c'est un luxe. Même son de cloche pour ces deux organisateurs d'événements. Tous les rassemblements planifiés par leurs agences jusqu'en mai ont été annulés ou reportés. Imaginez du jour au lendemain ne plus avoir du tout de travail, ne plus avoir du tout de choses à organiser ou à vendre. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ah oui, très net. La question, c'est combien de temps on peut tenir dans cette situation où il n'y a plus rien. Il y a toute une filière qui est à l'arrêt brusque du jour au lendemain, avec les prestataires, les partenaires, les intermittents. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut tenir un mois? Est-ce qu'on peut tenir deux mois? Est-ce qu'on peut tenir trois mois? Ça va être ça la question. Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide. Vers l'aide médicale urgente. Les Français ne sont donc pas au bout de leur peine, prévient le président Emmanuel Macron, qui cherche aussi à rassurer les citoyens. 85% de celles et ceux qui seront positifs au Covid-19 et qui donc auront ce virus, auront une forme bénigne de celui-ci. Et que donc la lucidité, la transparence dont nous faisons preuve, doit aussi s'accompagner de beaucoup de calme. Mais rester calme n'est pas chose simple pour les habitants des régions plus durement touchées par le coronavirus, comme ici dans l'Oise, l'un des épicentres de la contamination. Ici, les mesures imposées sont plus strictes. Les écoles y sont fermées pour les deux prochaines semaines au moins. Dans toute la France, ce sont plus de 300 000 élèves qui sont privés de classe. Isabelle ne veut pas céder à la panique et continue de faire ses courses en portant ce masque de papier un peu usé. Son dernier, et elle le garde précieusement puisqu'elle n'en trouve plus en pharmacie. On est désarmés face à tout ça. J'ai mon père qui est touché, qui est à l'hôpital d'Amiens. Alors la fièvre fait le yo-yo, pourvu qu'on arrive à le sauver. Puis il a 83 ans. Quand on reviendra à une situation normale, je pense que justement on va encore plus rassembler pour relancer l'économie, les relations, le contact, pour marquer un peu la fin, comme à la Libération. En attendant, la France dénombre encore de nouveaux cas, surtout Bénin, rassurent les autorités, mais qui chaque jour rapprochent le spectre d'un confinement élargi. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.